Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec guitare-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau Cheerleader de Omi version barrée. Si vous voulez la version avec capot et sans barrée, direction cette petite vidéo. Voilà, et ben c'est comme d'hab, on commence par les accords. Les accords, il y en a trois. Alors, il y en a deux qu'on va faire de deux manières différentes. Donc, le premier mi majeur. On va avoir un La majeur, barré de type 1 majeur, 5e case, et le Si majeur qui va être en 7e case, le même. On va faire aussi le La majeur comme ceci, et le Si, on va le faire comme si, comme ceci, ou comme ça. Voilà. Au choix, selon ce qu'on fait. Voilà, et ben c'est parti, maintenant on va voir les différentes parties du morceau. La première partie du morceau. Alors la rythmique va se faire de la manière suivante. La main droite doit être positionnée, la basse sur la corde de Mi et les trois autres doigts index majeur annulaire sur la corde de Ré, Sol et Si. Et on va tirer les trois cordes et le pouce va jouer la basse. Donc il va falloir faire, la tablature s'affiche, ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va faire ça deux fois. Donc sur le 1, la basse. 2, on gratte les 3. On frappe en repositionnant les doigts le plus proche possible pour pouvoir les faire en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va en 7e case sur le Si. 1, 2, 3. Mais on ne fait pas le 4. Le 4, ça va être le La, où on va faire la basse et en même temps les trois aigus. Donc Si, La, Si, La, Si, La. Donc si je refais tout, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on va faire le 1, 2, les 3, 3, 4. Donc... Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Maintenant la deuxième. La deuxième partie, on va faire des arpèges qui vont s'écrire ici. Et donc on va faire sur un Mi. Corde de Mi, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. Pour le La, on va faire corde de La, corde de Si, corde de Sol. Et c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc sur le 2 et sur le 4. Le Si, pareil, 1, 2, 3, 4. Et le La, 1, 2, 3, 4. Donc pour le La, on peut faire les deux doigtés possibles en faisant toujours le plus simple. Voilà pour la deuxième partie. Maintenant, la troisième. Alors la troisième va se faire avec une vraie rythmique et on va faire le 1, 2, 3, on va frapper 1, 2, 3, sur le 4 on va passer sur le La en barré, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le tout dernier, le 8, ça va être un peu des gosses notes. Pour pouvoir se déplacer sur le suivant, et le suivant fait exactement la même chose. Si on veut rendre un peu plus difficile la chose, on va décaler l'accord. Donc la deuxième fois qu'on passe sur le La, on va le jouer sur le Si et on va le faire glisser sur le La. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va faire un petit glisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était
et là, en décalant. Voilà, et bien maintenant, on va voir la partie suivante. Cette partie-là, plus rythmée, on va la faire avec les doigts ici, et en même temps, on va frapper. Et on va le faire sur le 1 et le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, un petit truc en plus pour cette partie. Pour cette partie, on va pouvoir agrémenter de petites frappes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc avec les doigts ici, on gratouille et on frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant la version, je me la pète à mort. Au lieu de faire le mi majeur dans ce sens-là, il faut la prendre par au-dessus. Voilà, c'est le petit truc pour que ça soit super joli à faire. Voilà, c'est rigolo. Et ben, pour la construction du morceau, regardez la démo, c'est enchaîner ces quatre parties. Pour pouvoir faire le morceau. Voilà, et ben j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à regarder donc ta démo, à partager, à liker, à commenter. Si à vous travaillez bien, ciao !